Hello, hello et bienvenue pour un nouveau vlog. Alors, je vous retrouve mercredi matin et ce matin, j'ai clairement la flemme. Je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Du coup, il est 10h24, je suis toujours en pyjama, n'est-ce pas? Bon, ça par contre, c'est assez fréquent à cette heure-ci. Mais on va dire que j'avais particulièrement pas envie d'être autrement qu'en pyjama ce matin. J'ai Loulou qui est en train de jouer à sa console de l'autre côté. J'ai la puce qui est dans le bain qui va pas tarder à sortir. Et j'étais en train de me demander si j'allais réussir ce matin à regarder le nouvel épisode de The Walking Dead. Je pense que c'est ce que je vais faire vu que j'ai la flemme. Et aussi, j'ai terminé de vous faire le montage de On décore le sapin de Noël et du vlog que je vais publier cet après-midi. Donc, quelque part, j'avais la flemme, mais j'ai quand même pas mal bossé ce matin sur les vidéos en tout cas. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je crois que je vais me refaire un café pour me mettre devant The Walking Dead. Et je reviens vous dire après ce que j'ai pensé de l'épisode. Mais avant ça, j'en profite pour vous remontrer vite fait à quoi ressemble le sapin. Comme ça, si vous n'avez pas vu la vidéo de décoration et le vlog d'hier, vous saurez un petit peu ce qu'on a fait. Et donc, comme on vous l'avait annoncé, c'est vert et rouge cette année. Et vu que j'ai la flemme, je vais pas bouger. Mais je vais vous montrer de loin que du coup, j'ai aussi ressorti la crèche. Parce que Jen adore les crèches. Ça y est, t'as pris le bain? Oui. Oui? Et du coup, c'est l'heure d'ouvrir les calendriers? Oui. Allez, c'est parti, on y va. 7. Le 7. Waouh, tu l'as vu vite encore une fois. Je me demande si tu ne fais pas des repérages avant, en fait, pour savoir où sont les cases. Une gomme. C'est quoi? Une gomme? Oui. Oh, c'est trop choupinou. Une gomme troll. Tu sais comment il s'appelle, lui, ou pas? Non. Non? Bon, c'est pas grave. Mais en tout cas, trouvera. Il ne part jamais de lui, là. Ah, c'est son petit doudou. Il est vivant. C'est comme un doudou, c'est ça? Oui. Attends, voilà, là on voit mieux. Il est vivant lui. C'est rigolo. Et le chocolat avec la forme qu'on a toujours du mal à déterminer. Qu'est-ce que ça va être aujourd'hui? Vas-y. Un carré. Ça, ils sont toujours en forme de carré dans ton calendrier. Hein? Oh, is. C'est quoi? Attends. Ah, un train. Un train? Celui-là, il a été facile. Cette fois-ci, oui. Cette fois-ci, c'est sûr, c'est un train. C'est maintenant. C'était un train. Alors, la puce avait envie de faire la poterie ce matin. Elle voulait tester un de ses cadeaux d'anniversaire. Le truc, c'est qu'on vient de sortir le carton et il faut des piles qu'on n'a pas à la maison. Donc, tant pis, tu lui feras pas de poterie. Mais non, je rigole. Je vais aller me laver, m'habiller vite fait. On va aller chercher des piles. Hein? On doit pouvoir trouver ça pas trop loin de la maison. Ok? Moi, je pose vite la caméra et j'y vais. Oui. Voilà, on a trouvé des piles. Donc, pour information, on en faut 4 comme ça. Donc, on a pris 2 paquets. On est aussi tombé sur des petites bricoles sympas. Des bonnets de Père Noël, parce que je ne sais ça, pas trop où sont les nôtres. Moi, et le petit serre-tête avec les Papa Noël aussi. Puis, on a refait la cargaison de piles. Voilà, comme ça, on tâchera de ne pas être trop en panne souvent, n'est-ce pas? Oui. Par contre, du coup, on n'a pas le temps de faire la poterie maintenant, parce que ça va être bientôt l'heure de manger. Donc, je l'ai posé là-bas et on fera ça cet après-midi, d'accord? Mmh. Ah, ça te va trop bien. T'es trop rigolote. T'as pas mis la lumière, toi, sur le tien? Si. Ah, ils sont trop rigolos, ces petits bonnets. Les bonbons. Ils coûtaient 99 centimes, il me semble. Hein? Pas très cher. Alors, du coup, on était en train de voir pour mettre des piles dans les petites tortues. Elles avancent toutes seules. Ça, c'est sur la terre. Et après, on va voir si on peut mettre de l'eau dans ton aquarium. Oui, on peut le mettre ici. D'ailleurs, si on voit bien, il y a des petits œufs. Ah oui. Il y a des coquillages, il y a tout. Il y a même une... Ici, vous pouvez mettre vos tortues. Et donc, ils disent de mettre de l'eau dans l'aquarium. Ici. D'accord. Parce que ici, ça va déborder. Et puis après, normalement, elles peuvent nager, je crois. Est-ce que ça va marcher? Oh, bah, y a pas de raison. Elle fait beaucoup de bruit. Ah, mais tu sais, y a un genre de truc comme dans les ventilateurs qui fait qu'ils peuvent avancer, regarde. Ventilateur. Ah oui, effectivement. Attends, où est-ce qu'on le voit? Là. Il y a une petite hélice en fait.
Alors, ça qui fait beaucoup de bruit. Donc vraiment, est-ce qu'il y avait un petit papier avec ça? Le carton ou l'emballage? Je crois qu'on l'a jeté. Ah mince alors. Donc là logiquement je mets de l'eau dedans, on met la tortue dedans. Oui. Ok, pardon. Genre on va faire ici. On va tester ça. Ouais. Donc comme ça. Oui. Tu mets la tienne. Ah ouais. J'aurais pu mettre un peu plus d'eau en fait. Ouais. C'est rigolo. Tu fais un peu plus d'eau? Ouais. De toute façon ça goûte. Ça goûte sur ma main. C'est pas grave, ça fait du bien. Oupsie, vite. Vite. Attends. Ça va couler. Hop là. Voilà. Vas-y. Donc, hop. Oh, elle est chaude. C'est trop chou! C'est trop mignon! Et en plus, t'as vu, elles n'ont pas les mêmes dessins sur la, non, sur la carapace. Non, elle a un cœur. La rose, il y a un cœur et la bleue, c'est une étoile. C'est trop chou! Et on s'est dit que ce serait mignon aussi pour jouer dans le bain, en fait. Voilà. Parce que je m'ennuie des fois. Et dans la piscine aussi, en été. Oui. Et oui. Bon, bah, je te laisse jouer un peu. Oui! C'est le monde des tortues! Ah! Elle va aller trop loin. Et elle avance vite! Et ben moi qui pensais qu'elles avançaient pas vite. Et ben tu vois. J'ai tort. Voilà. Je peux les mettre là aussi. Oh bon, le seul inconvénient c'est que ça fait un peu beaucoup de bruit quand même. Oui, à cause de. S'ils avaient réussi à faire ça un peu plus silencieux, ce serait parfait. Bon, du coup j'ai dit à la puce de faire un petit essai dans la baignoire en la remplissant très très peu. Et ça marche super bien, franchement. C'est la chou. La bleue elle avance hyper vite. C'est chou. Si vous voulez des idées de cadeaux pour le Papa Noël et que vous avez des enfants ou dans votre entourage qui aiment prendre des bains, qui aiment jouer dans l'eau et tout, c'est super mignon. Ah, trop. Franchement, c'est trop chou. On dirait qu'elles se suivent. Elles font la course. Elles font la course. Ouais. Une course de tortue, oui. Regarde, ah, regarde, la bleue, elle la rattrape. Allez, la bleue, oui. Voilà, la bleue, elle a gagné. Alors, j'ai réussi à regarder le nouvel épisode de The Walking Dead après manger. Et toujours sans faire de spoil, et je vous demanderai vraiment de faire pareil dans les commentaires au cas où des personnes les lisent et ne souhaitent pas savoir ce qui se passe à l'avance, je dirais juste que je sais pas où est-ce qu'ils veulent en venir là. Franchement, c'est encore un épisode que j'ai trouvé trop long, trop lent, et où il se passe pas ce que j'attends, et il se passe quelque chose d'autre qui me fait me demander... qu'est-ce qui va se passer? Donc ils sont à nouveau très très forts puisque du coup j'ai forcément envie de voir la suite. Ouais, ils sont vraiment très très forts. Mais du coup je reste sur ma faim pour cet épisode là à nouveau. Voilà. Je peux pas vous en dire plus après, sinon je vais devoir vous raconter. Donc je vous raconte pas. Dites-moi juste dans les commentaires si vous aussi vous l'avez regardé. Et du coup si vous aussi vous trouvez que... enfin vous attendiez que ça se passe autrement et que là vous vous dites mais c'est... qu'est-ce qui va se passer encore? Enfin voilà, c'est pas ce qu'on attend, mais du coup il va se passer autre chose, ou je sais pas. Enfin c'est compliqué de vous dire ça sans trop vous en révéler, donc je vais m'arrêter là. Et là, le programme c'est de la poterie. Yeah. Donc le temps d'installer tout ça avec la puce, et j'essaierai de vous montrer un petit peu comment ça se passe si on y arrive. You were tall, I looked up. From where I sat, wished I wouldn't dressed up. Your first line won't forget. So is it true? No one's taking you yet. I remember people staring as we stepped outside. They had only one goal: get me off of your mind. I was no good, they said. You could do much better. Think we are crazy, 'cause I-
so far. They're going nuts about how happy we are. See the bond that we made. It all seems real now that I'm not afraid. And we really got them. Yeah, we sure did ride it out. Cause we have each other. That's what it's all about. I was no good, they said. You could do much better. Voici le premier essai d'un petit récipient, on va dire. Et là, tu as décidé de tester avec la forme en forme de cône. Donc, on va voir ce que ça donne. Le seul truc, c'est que là, quand on a testé la première fois, la pâte était un peu trop fraîche. Donc, elle avait tendance à craquer tout de suite. Donc, je vais d'abord laisser l'autre réchauffer un petit peu. Et ce sera, à mon avis, beaucoup plus facile pour toi. Ok ? Et donc, celle-ci, on attend qu'elle sèche, en fait, parce que ça met 24 heures à sécher. Donc demain, on pourra le peindre, si ça te dit. Séance de poterie terminée. Là, on s'est préparé vite fait pour aller emmener Josh au tumbling. Et ensuite, quand on revient avec la puce, on va ouvrir les calendriers de l'Avent non gourmands. Donc le Glossy Box et le Nyx. Donc on vous retrouve dans pas très très longtemps. Le temps de faire l'aller-retour. De retour à la maison, donc la puce est en train de réviser son autodictée pour demain. Et j'en profite pour lancer le concours du jour. Il s'agit de remporter le même coffret Florence Nature que celui que vous avez pu voir dans un de mes précédents vlogs. C'est-à-dire avec le masque, la lotion micellaire et le gommage, la crème gommante douce. Donc pour participer, comme d'habitude, le lien est en barre d'infos, vous cliquez dessus. Et si jamais vous rencontrez un souci pour les participations, parce que je sais que c'est arrivé à certains ou certaines d'entre vous, il se peut que ce soit parce que vous êtes sur un téléphone ou une tablette. Donc dans ce cas-là, il faut essayer à partir d'un ordinateur, ça pourra peut-être résoudre le souci. Et je passe au calendrier de l'Avent. Je commence par celui de chez Glossybox, donc dans la case 7. On a aujourd'hui... Ouf, encore je casse la boîte pour le sortir. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est tombé. C'est tombé, il s'agissait en fait d'une pince à épiler. Oh, elle est sympa, c'est la marque The Vintage Cosmetic Company. Très très sympa, je ne sais pas si vous verrez bien. En fait, elle était à la base protégée dans ce petit truc en plastique. Mais elle est tombée pendant le voyage probablement. Et en ce qui concerne... cadeau utile pour le coup. Cadeau super utile. Et en ce qui concerne le calendrier NYX, la case 7, elle se trouve là. C'est un soft matte. Ouh, c'est une couleur foncée. Alors, voilà ce que ça donne de plus près. C'est la couleur Transylvania. Et comme vous pourrez le constater, c'est vraiment très très foncé. C'est un violet. Oh, il doit être super beau. Si j'y pense, je le mets demain pour vous montrer. Et en ce qui concerne mon calendrier M&M's, la case 7 est là. Et il s'agit d'un sneakers, yeah! Du coup, la puce est toujours en train de terminer ses révisions. Donc moi, je vais manger le sneakers et je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que ce vlog vous aura plu. En attendant le prochain, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao! Ciao!